Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Olois Ferdinand, enseignant d'industrie du bois et de la transformation des grumes. Je suis également votre tuteur des cours de connaissances matériaux bois en classe de première. En guise de sommaire, on a la présentation générale du programme, ensuite les objectifs et les compétences, et enfin les prérequis. S'agissant de la présentation générale du programme, le programme de connaissances matériaux bois est constitué de deux grands thèmes, à savoir l'identification des variétés de plants ligneux et couleurs des essences de bois, ensuite l'identification des variétés des propriétés physiques et mécaniques de bois. En ce qui concerne l'identification des variétés des plants ligneux et couleurs des essences de bois, comme thème, ça comporte un sous-thème qu'on appelle le plan ligneux. Quant à l'identification des variétés de propriétés physiques et mécaniques des essences, qui est le deuxième thème, ça a aussi le sous-thème qui est les variances des caractéristiques physiques et mécaniques du bois. Quant aux objectifs et compétences ciblées, à la fin de ce programme, l'élève doit identifier les essences de bois avec leurs plans ligneux et leurs couleurs. Ensuite, décrit les caractéristiques physiques et mécaniques du bois d'une essence. Et enfin, décrit le comportement du bois à des diverses utilisations. Pour mieux donc aborder ce programme, vous devez avoir les notions au préalable, à savoir les notions sur la morphologie de l'arbre, c'est-à-dire l'arbre dans la face extérieure. On a sur la morphologie de l'essence les cimes, le tronc, la forme des branches, tout ce qu'on voit en physique. Ensuite, avoir la base sur le matériau bois. Et enfin, connaître les notions sur la structure du bois. On parle de la structure du bois, les parties internes dans l'arbre, qu'on peut parler, on peut réviser la moelle, le duramen, le cambium. Parlons de notre thème, qui est l'identification des variétés des plants lignées et couleurs des essences de bois. Ce thème se présente comme suit. Deux séquences et 32 séances, regroupées en sous-thèmes ou séances et de nombre de présentations. Le plan linéaire regorge 4 présentations et enfin les variantes et les caractéristiques physiques en a 28. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée « Le plan linéaire et ses aspects », première partie. La leçon est structurée, il y a un plan, il y a les objectifs, il y a les prérequis, il y a la situation problème et il y a les activités d'apprentissage et enfin on a les devoirs. Commençons par le plan. Le plan a 6 points, à savoir les objectifs,
les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, l'exercice d'application et le devoir. Poursuivons avec les objectifs de la leçon. Vous devez être capable de définir la notion de plan linéaire. Ensuite, d'identifier les trois plans de référence. Et enfin, énumérer quelques variantes des plans linéaires. Quant aux prérequis, pour mieux assimiler cette séance, vous devez avoir les connaissances de base sur les notions des éléments constitutifs du bois et les éléments constitutifs du bois. Le problème majeur est ici d'identifier l'essence du bois à l'aide d'un plan linéaire. Donc, l'échantillon est ci-dessus, vous êtes présenté. Ça, c'est le problème majeur de notre leçon. L'élève doit pouvoir identifier les plans par rapport à l'échantillon présenté en face de vous. Nous poursuivons avec les activités d'apprentissage. Pour donc assimiler cette leçon, vous devez définir le plan linéaire, décrire les trois plans linéaires et enfin décrire les variantes des plans linéaires. Quant à la définition, qu'appelle-t-on plan linéaire? Le plan linéaire est la structure du bois de façon dont elles sont disposées les unes par rapport aux autres. Les éléments du bois de façon dont elles sont disposées les unes par rapport aux autres. S'agissant des moyens d'observation de la structure du bois, pour voir cette structure, on utilise les instruments, les appareils. On a comme premier instrument, il y a l'œil qui nous permet de visualiser automatiquement l'essence. On peut identifier automatiquement l'essence à l'œil nu. Ensuite, on a la loupe. La loupe, on les utilise à main. C'est un instrument manuel qu'on utilise pour agrandir ces éléments. On poursuit avec le binoculaire. On va voir les images de ces appareils. Nous avons en face de nous la loupe. La loupe est un appareil qui permet d'agrandir les cellules. Il y a aussi le binoculaire. On voit comment les élèves sont en train de regarder ces plans au laboratoire. Nous poursuivons avec les rayons ultraviolets au niveau du microscope. Ça, c'est pour agrandir. On a dit que le microscope permet de voir ce qu'on ne peut pas visualiser à l'œil nu. On agrandit alors ces cellules. Il y a le microscope à rayon ultraviolet, on a le microscope à la lumière normale. S'agissant de décrire les trois plans linéaires, nous avons devant nous le schéma, une section transversale, une section de l'arbre. Il y a les cycles, il y a C, T qui veut dire la coupe transversale, c'est monter, on peut monter là où il y a les cernes, ces cernes-là c'est ça qu'on appelle CT, coupe transversale. On vous montre comment on a coupé l'arbre, cette coupe, c'est ça qu'on appelle coupe transversale. Ensuite, on poursuit avec le cycle CLR. C'est-à-dire coupe longitudinale radiale. On vous présente la coupe longitudinale radiale à ce point, sur l'axe. Donc, la coupe est sur l'axe. Et enfin, on a aussi le cycle CLT, coupe longitudinale tangentielle. Vous voyez donc la disposition, comment tous ces éléments
sont décrits suivant les trois plans. On a la section transversale, on monte là où il y a les serres annuelles. On a la section longitudinale radiale, là où il y a les cernes qui sont en fil droit. Et enfin, on a la section longitudinale tangentielle. Il y a les ondes, ces fibres on appelle section longitudinale tangentielle. En ce qui concerne la description des variantes des plans linéaires, ici on va parler de deux types, la microstructure du bois DFU et la microstructure des bois des résineux. Parlant de ça, on va d'abord commencer avec la microstructure du bois des FEU. On va d'abord parler des fibres. Les fibres sont des éléments rangés longitudinalement dans le sens de l'axe de l'arbre. Ici, on vous a montré ce qu'on appelle fibres. Voici une fibre, mais c'est suivant le plan. Les fibres, au niveau des fibres par rapport aux FEU, ces fibres sont courtes. Donc, les fibres constituent les éléments rangés longitudinalement dans le sens de l'axe de l'arbre. On a vu sur la structure des plans là. On parle de l'axe sur le plan radial, suivant l'axe. Nous poursuivons avec les rayons linéaires par rapport aux FEU. Les rayons linéaires par rapport aux FEU sont orientés dans le sens radial, ne sont pas composés que des cellules de parenchyme. Ici, les cellules de parenchyme sont des éléments de réserve. Ça, les réserves sont la nourriture, donc ça conserve la sève. C'est ça qui nous permet de nourrir l'arbre. On est en train de voir ces rayons. Voici ce qu'on appelle les rayons linéaires dans le plan radial. Voici le plan radial, voici ces rayons linéaires. Maintenant, on va voir la disposition des rayons dans le sens transversal, visible à l'œil nu. Comment se comportent les rayons et les cernes? En vert, la couleur verte nous montre les rayons. La couleur en bleu nous montre les cernes. Nous sommes aussi au niveau des FEU. Comment sont disposées ces cernes sur le plan transversal visible à l'œil nu? On voit ici que ces cernes sont disposées de façon compacte à l'œil nu et les rayons se sont formés d'un trait, donc sous forme de cercle. Maintenant, quand on a fini de visualiser ça à l'œil nu, on va aussi voir à l'aide de l'appareil comment sont disposés ces éléments par rapport à l'appareil en ce qui concerne les FEU. On voit comment sont disposés ces éléments sur le plan transversal visible au microscope. On voit donc que dans le plan transversal visible au microscope, ces cernes et ces rayons sont disposés en forme de sections, alors que le rayon, voici la section, voici le trait en forme de trait. On a dit tout ce qui est à la couleur bleue, c'est les cernes, et ici c'est les rayons. Les rayons forment un trait alors qu'ils forment des sections au niveau des cernes. On continue sur le plan tangentiel visible à l'œil nu. Sur le plan tangentiel visible à l'œil nu, comment se comportent les rayons, comment se comportent les cernes? On voit que les rayons se présentent par des points. Voici ces points. Les rayons se présentent par des points. Alors que les cernes se présentent sous forme d'une courbe. Voici une courbe. Comment se porte sur le plan tangentiel des FEU? Voici la courbe est présentée. Cette courbe est présentée. Alors, les rayons sont en,
se présente à l'aide des points. Ça, c'est à l'aide, on a dit on peut visualiser à l'aide, nous sommes, on peut visualiser notre plan d'une essence. Ici, là, on a, avec la couleur, on peut identifier cette essence-là. On montre comment est structuré ces éléments. On a donc les cernes se forment, la courbe et les rayons se voient sous forme de points. Quant au plan tangentiel au microscope, on va voir les rayons. Tout ce qui est en la couleur verte, ce sont les rayons. Ça se forme sous forme de grains de chapelet, alors que les cernes se forment en long. Les cernes forment une ligne. Les cernes se forment sous forme en long. Nous sommes là au microscope, sur le plan tangentiel des feuillus. Parce que je rappelle, il y a le comportement des feuillus et le comportement des résineux. Maintenant, on passe sur le plan radial à l'œil nu. Qu'est-ce qu'on voit? Les rayons sont en bande. Voici les rayons sur le plan radial à l'œil nu. Les rayons sont en bande. Alors que les cernes sont en fil, sont parallèles au fil. Voilà, de l'autre côté, on voit la bande. Ça se réfléchit en bande, alors que les cernes sont parallèles au fil. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de la machine, du microscope? On voit que les rayons, on a dit tout ce qui est en vert, ce sont les rayons. Ça se forme sous forme de briques. Alors que les cellules sont formées en long. La couleur bleue montre toujours les cernes et la couleur verte montre les rayons. Les rayons sont formés ici sous forme de briques. Quand on a fini de visualiser les feuillus, leur disposition sur le plan transversal, sur le plan tangentiel, sur le plan radial, il y a encore notre élément qu'on va étudier, qu'on appelle les vaisseaux. Les vaisseaux sont des cellules permettant le transport de la sève chez les feuillus. Voilà l'élément qu'on appelle vaisseau. Voilà le vaisseau. Il dit que ce sont les éléments de transport chez les feuillus. S'agissant de la microstructure du bois des résineux, parce qu'on a fini avec les feuillus, on va commencer ce qu'on appelle les tranchéides verticales, appelées fibres. On voit que par rapport aux feuillus, les fibres sont longues, alors que les fibres des feuillus étaient courtes. On voit déjà une différence, le comportement des fibres. Ici, on appelle les tranchéides. Par exemple, sur les feuillus, on appelait ça fibres. Tranchéides, ils ont une grande longueur par rapport chez les feuillus. C'était une petite longueur. Ensuite, on va voir aussi les rayons linéaires, le comportement des rayons linéaires au niveau des résineux. On a une seule cellule sur les rayons linéaires. Voici les rayons linéaires. Sur le plan radial, ça se présente au niveau du plan radial. Voici ce qu'on appelle sur le plan linéaire. Nous poursuivons sur le plan transversal visible à l'œil nu. Parce qu'il y a deux types, on a parlé. On fait la différence des feuillus et les résineux. On a fini de voir la disposition des feuillus. Nous sommes sur les résineux, sur le plan transversal visible à l'œil nu. On va aussi rappeler, c'est presque les mêmes formes. On a dit les rayons sont toujours, la couleur est verte alors que les cernes sont en bleu.
Voici les rayons, la couleur verte et les scènes qui sont avec la couleur bleue. Ça, c'est la couleur bleue. Ça, c'est le rayon. Ici, le rayon A est la même chose qu'au niveau des feuilles. Ça a un trait, alors que les scènes sont compactes. On va voir quoi au niveau du microscope. On voit toujours que les rayons sont sous forme de craie, alors que les scènes sont des sections, forme des sections au niveau du microscope. On peut rappeler que ici, si on constate au niveau des fibres, les fibres sont plus claires, alors que au niveau des résineux, c'est presque moins visible. Sur le plan tangentiel, on va voir toujours les rayons forment des points et les scènes forment des courbes. Ça forme une courbe. Sur le plan tangentiel au microscope, parce qu'il y a deux, on peut voir d'une façon macroscopique, donc à l'œil nu, mais d'une façon aussi microscopique, donc à l'aide des machines. Sur le plan tangentiel au microscope, on voit toujours les rayons sont en forme de chapelet, alors que les scènes forment toujours des lignes. Ça forme des lignes. Les rayons sont en forme de chapelet. Nous poursuivons avec sur le plan radial à l'œil nu. Sur le plan radial à l'œil nu, on voit toujours les bandes. Les rayons sont formés en bandes, alors que les scènes sont en files parallèles. S'agissant au microscope, on constate toujours que les rayons sont formés sous forme de briques. Or, les scènes sont toujours sous forme de lignes en long. Les scènes sont sous forme en long au niveau sur le plan radial. Nous sommes ici au niveau des résineux. Qu'est-ce qu'on va mémoriser ou bien qu'est-ce qu'on va retenir tout ce qu'on est en train de parler durant cette leçon? Il était question d'abord de définir ce qu'on attend par plan linéaire. On a dit le plan linéaire est la structure des éléments du bois les uns par rapport aux autres. Ensuite, on a vu la différence de ces plans entre les feuillus et les résineux sur les plans transversal, sur le plan tangentiel et sur le plan radial. On a dit qu'est-ce qui nous permettait de voir ces éléments. On a parlé des appareils. Il y avait l'œil, était un appareil qui nous permettait de visualiser ces éléments. Après l'œil, on a vu qu'il y avait la loupe. La loupe permettait aussi d'agrandir ces éléments. Il y avait le binoculaire et les microscopes. Il y avait deux types de microscopes, les microscopes de lumière et les microscopes avec les rayons ultraviolets. On a aussi vu la structure des bois, des résineux et des feuillus. On a dit qu'il y a une grande différence sur cette structure. La structure des feuillus est complexe, c'est-à-dire ces éléments ne sont pas réguliers. Alors, chez les résineux, la structure est simple. On parle souvent de la structure simple, on va voir ça plus tard de homogilée, c'est-à-dire une structure très simple, hétérosilée, c'est-à-dire les feuillus sont des structures. La structure est irrégulière par rapport aux résineux.
On va passer donc à l'application du cours. Si nous avons bien entendu tout ce qu'on a été en train de dire durant cette leçon, l'exercice est devant nous. On dit, identifions les plans linéaires des feuillus et des résineux par les images ci-dessus. Je vais reprendre ça. Identifier les plans linéaires des feuillus et résineux par les images ci-dessus. On a première image A. On observe. Vous avez vu le cours. Tout ce qu'on était en train de parler. On a l'image B. Ici, il est question de donner le plan. Dans quel plan qu'on voit, quel type d'essence s'agit-il? Voici l'autre image qu'on est en train d'observer. On va passer à la correction du devoir. Si nous avons assimilé notre leçon aujourd'hui, il était question simplement de dire la première image, c'est sur A, qui est sur le plan transversal des feuillus. On voit l'image des feuillus sur le plan transversal. On a dit que le plan transversal représentait les rayons, représentait un trait, alors que les cercles étaient compactés. B, c'est sur le plan tangentiel des résineux. Là, on voit la courbe. Donc, on voit l'image est en courbe. On dit directement que B représentait le plan tangentiel des résineux. On poursuit. En dernière position, il y avait le plan radial des résineux. Le plan radial des résineux. Donc, il était question seulement, dès que vous observez l'image, ce qu'on a expliqué, il fallait seulement dire A, plan transversal des feuillus, en B, le plan tangentiel des résineux, et en C, enfin, le plan radial des résineux. On ne peut pas donc achever cette leçon sans vous donner le devoir à faire à la maison. Comme et pour exercice à faire à la maison, vous allez schématiser les différentes sections des plans de bois ainsi que les cellules présentes dans chaque face. Ça, c'est le devoir à faire à la maison. Et vous allez faire la différence entre... Quelle différence faites-vous entre les cellules du bois résineux et les cellules du bois des feuillus? Ce qui nous a permis de bien élaborer cette leçon, vous pouvez aussi chercher, voici nos références, il y a Bush, Iman, cours de la botanique, 2017, doc, document 2, page 13. Et CTFT, Memento de Forestier, 3e édition, 1989. On a le site web qui est WRMP, Wikipedia.org. Arrivé enfin de notre séance, la prochaine leçon portera sur le plan linéaire et ses aspects. Partie 2. On ne tege si ma tege yop, on ne tege minga ma tege nyom, on ne tege ma jang ma tege ndom, mane tambia niña ne injo biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esu kina bia dinkido, mane tambia niña ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia ninyane.